Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Naya TV. Nous sommes ici à Melon, dans le département du Mungo, région du littoral. Et nous sommes ici dans une école qui s'appelle Lenalendem Bilingual Nursery and Primary School. C'est une école anglophone qui a un effectif d'environ 450 élèves du primaire et de l'école maternelle. Et la particularité de cette école, c'est que la plupart des enfants que vous voyez derrière moi sur les 450, la plupart sinon tous, sont des réfugiés de la crise anglophone des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et ils ont été accueillis ici par un bon samaritain qui a fondé cette école pour accueillir ces réfugiés. Je vous invite à faire une visite guidée de cette école. Nous allons rencontrer les enseignants, le directeur de cette école et enfin, je vous emmènerai à la rencontre du bon samaritain qui a créé cette école et qui a permis de sauver 450 enfants camerounais de la sous-scolarisation ou alors de la déscolarisation. Mesdames et messieurs, je vous invite à cette belle aventure ici à Lenalendem Bilingual Primary and Nursery School. Voilà, nous allons commencer cette visite par l'école maternelle. Ils appellent ça ici le Nursery School. Alors, comme vous pouvez l'entendre, je ne sais pas si vous l'entendez à fond sonore, il y a déjà une ambiance assez chaude. Ça rappelle la maternelle. On va voir comment ça se passe dans cette école. Good morning! Thank you very much. Thank you very much. Good morning, madame. Good morning, sir. Nice to meet you. Thank you. Alors, nous sommes là juste pour visiter votre école. Et donc, ils ont quel âge, les enfants, là? Actually, there are some that are having 4, 5 years old. The highest is 5. Ah, OK. D'accord. OK. Bah, écoutez, on va vous laisser travailler. Okay. Bonne journée. À bientôt. Okay.
Okay. Goodbye. Say goodbye, sir. Okay, thank you very much. Alors ça, c'est une première classe qui est quand même assez pleine. On va visiter la deuxième. Ah ouais, il y a une très très bonne ambiance là. Ah ouais, c'est... voilà. That's very good. Thank you very much. Good morning, madame. Good morning, sir. Nice to meet you. Thank you, sir. Uh-huh. OK. Alors, vous êtes la maîtresse de cette école maternelle. Oui. Alors, oui, oui. Et donc, ils ont quel âge, ces enfants? Les enfants, il y a 5 et 6 ans. Oui, il y a 5 et 6 ans. Oui. Là, c'est quel niveau? La grande section. La grande section. La grande section de la maternelle. D'accord. Les enfants qui sont dans cette école, la plupart des enfants dans cette école, sont des déplacés de la crise anglophone, c'est bien cela? Oui, monsieur. Mm-hmm. Et beaucoup des enfants, beaucoup même des enfants ici, ce sont des enfants déplacés. Oui. Ils sont venus à Nord-Ouest, il y a les autres à South-Ouest, mm-hmm. les autres en Bangem ici. Mm-hmm. Ce sont des enfants déplacés. Oui. Est-ce que le fait de revenir d'une zone de crise a marqué leur comportement ou alors leur attitude? Oui, ils ont beaucoup marqué. Tu sais que quand ils viennent comme ça, ils restent. Mm. Parfois, ils n'aiment pas les choses à manger. Mm. Même pour écrire, ils n'aiment pas les matières. Les matériels. Oui, pour écrire. Mm. Parfois, tu es obligé de chercher parce que tu ne veux pas... travailler avec les restes et les restes sans travailler. Oui. Tu dois faire ton effort. Oui. Alors, au-delà de ces problèmes matériels, est-ce que psychologiquement, c'est des enfants qui sont bien? Oui, ou alors les enfants, non. Les enfants sont traumatisés. Oui. Beaucoup les enfants sont traumatisés. Oui. Parce qu'ils habitent ici avec les parents, que ce n'est même pas leurs vrais parents. Ah bon? Ils habitent avec les cousines, oui. Parce que les enfants comme ça, il y a une maman pour rester avec même 10 enfants à la maison, parce qu'il y a les autres qui sont seulement envoyés, envoyés que non, reste avec l'enfant, oui. Parce que parfois l'enfant pour venir comme ça le matin, il commence à pleurer, il n'aime pas manger, l'enfant ne peut pas apprendre sans manger, non. Oui. Même moi, je suis déplacée. Oui. Donc, ça veut dire que vous, you can speak in English, hein? So you also are a victim of anglophone crisis. Yes. Oh, I was in Dope. I'm a serious victim of the crisis. Mm-hmm. Yeah. So I had to find myself here in Melong. You just say that those children are traumatized. Yes. How? Well, they're traumatized in the sense that. Like for example, when you want to teach a lesson on activities like occupations, mm-hmm. when you go and mention a policeman to them, no, they already know that you want to talk about gun. They will start telling you story. Hey, madam, they shoot my mother. Madam, we run. Madam, gun. You see now. So they just hate to see a policeman. Like one day, a military man entered the school just to come and pay the children. If you could have been here, you would have seen what happened. They started running away. Now the police have come. Oh, you see now. Then you have to know that those are children that are from the war zone. They already know that a policeman is a problem. Yes. You see now. So they are traumatized. Mm-hmm. Yes. Right. Even when the plane is passing. If you come here, you see how some of them are hiding. Now they are coming. Who is coming? Military is coming. C'est quelque chose de terrible quand même. Oui. Donc, so they have it psychologically in their mind that something is wrong somewhere. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. At times, even they say when they want to play, mm-hmm. you see somebody can just take a stick and say, I'm a police, I'm an amber, they start shooting. You see now. So they already have in their mind that something is not going on well. Yeah. Yes, so that's why
Alors ça veut dire qu'ils ont peur de la police, ils ont peur également, ils ont peur des Zambaboy également. Oui, ils ont peur, ils connaissent, ils connaissent que quelque chose ne va pas. Mais comme ils sont petits, pour expliquer, ce ne vient pas, mais dans leur tête, ils connaissent que quelque chose ne va pas. Ok. Oui. Bah, thank you very much. Thank you, sir. Je vais vous laisser continuer avec les cours. Et surtout, bon courage. Hein. Bon courage, vous faites quelque chose de remarquable. Et voilà. Ok. Thank you very much. Goodbye. 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 Bye bye. Ok. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Ok, monsieur. Que vous continuez à enseigner ces enfants. Alright. Bon courage à vous, madame. Merci, merci monsieur. Beaucoup. Merci. Bon bonne courage. Journée. Merci beaucoup. À bientôt. Allez. All goodbye. Right. Everybody stand. Hands up. Down. Up. Clap was. Thighs. School is a good thing. Go. School is a good thing. Clap your hands. I come. Voilà, nous allons continuer cette visite. C'est quand même extraordinaire ce qu'on a pu entendre avec cette maîtresse du maternel qui parle du traumatisme que ces enfants ont connu pour ceux qui viennent des régions en crise, du nord-ouest ou du sud-ouest, et voilà, qui ne supportent plus la vue simplement d'une tenue de militaire ou de policier. Ça, c'est quand même quelque chose de terrible hein, pour ces enfants. Voilà, on va continuer cette visite et on va aller à un niveau un peu plus élevé. Cette fois, c'est le primary school, l'école primaire. Voilà. Notre visite va se poursuivre. Cette fois, on va, comme je vous l'ai dit, dans un niveau supérieur, dans le primaire. Et nous allons rencontrer un enseignant qui lui aussi est une victime de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je pense qu'il est déplacé, en tout cas il nous l'expliquera. Et donc toute cette école comme vous pouvez la voir, appartient, voilà, on est arrivé. Non, je pense que c'est plutôt dans cette autre classe. Good morning, sir. Good morning. Ah, thank you very much, thank you. Voilà, et c'est pratiquement un slogan ici chez vous. Education is the key of success. And we are fighting poverty through education. Ah oui, ça c'est un joli slogan. Hein. Thank you so much. Oui. Alors, on vous a demandé de s'asseoir les enfants. Okay, sit down. You can sit down please. Mm-hmm. Thank you very much. Mm-hmm. Alors, merci de nous accueillir dans votre classe. Thank you so much. This is class 6. Uh-huh. And you are in Denandem, Balengua Nazian Primary School. Mm-hmm. Melon situated in La Forêt. Yeah. The Chief's Palace. Mm-hmm. Chief Wanjunju. Yeah. Yes. So I am the head teacher of this school, Mr. Nonne Roland. I am the class 6 teacher who is handling these children. Mm-hmm. Mm-hmm. So we just wrote our common entrance examination and we have 100%. Out of the 21 who wrote common entrance, okay, common entrance. Out of 21 who wrote, we have 19 list A and 2 list B, 100%. Ah, yes. Congratulations! So, thanks so much. Ça veut dire que vous ne vous ennuyez pas ici, hein? Vous travaillez vraiment here we don't play with education. Yes. Yes. Mm-hmm. You know, these children here, purposely for the children, for the displaced children. Yeah. So we have to make sure that we give them all the necessary requirements that they have at first before they come, before coming. Mm-hmm. Yeah. Yeah. You have to make them feel at home. Right. They should know that what they have missed
In that area, here, they will grab it double fold. Alors, ça signifie que c'est des enfants déplacés. Yes. Et donc, vous vous arrangez pour qu'il n'y ait pas vraiment de grande différence entre la formation qu'ils avaient avant de fuir le nord-ouest ou alors le sud-ouest, et pour avoir une éducation correcte ici. Yes. Alors, et vous-même, vous venez d'où? Yes, I'm from Bangem, still in the war zone. Yes, Bangem now. It's in southwest. Kupamalukwa division. Hey. I'm from there. Donc ça veut dire que vous êtes également déplacé de la guerre. Yes. 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 Go ahead, please. Since I'm a teacher, I cannot keep my ability. I cannot keep my ability. For how long have you been here? I've been here for 2 years. 2 years. This is my second year being here. Yes. Okay. Is everything okay? No, everything is okay here. Here, everything is okay. Here, I have the best education. The place is calm. The environment is conducive environment for teaching. Yes. Even the way the children are coping up, I'm very happy. Yes. Okay. If you allow me to discuss with one of your students. Oh, you have the right to discuss with any child of your choice. Any child of your choice. Okay. Good morning. Good morning, sir. How are you? Fine. What subject are you learning now? Mathematics. Ah, do you like mathematics? Yes, sir. What do you want to become later? I want to become a nurse. Nurse? Why don't you want to become maybe a journalist? Because I've made up my mind to become a nurse. Ah, okay. Where are you from? I'm from Boya. And why did you come here to study? Why? Because there was strikes in Boya. Then I decided to come here. And since you are here, do you like this school? Yes, sir. Why? What do you like in this school? I like the way they teach. I like how our environment look like. In Boya, there were too much of guns. Too much of guns? Yes, sir. Have you ever seen a gun? Yes, sir. Where? In Boya. Try to explain the gun. What's happened? I've seen how the gun is long. It has two hand sides. And it has cartridges. Can you describe what happened in Boya now, in Southwest? Now, there are no more too much of guns. Too much of guns? Now, people are no more migrating. But at first, they migrate from their places to other places. And we don't like that. Yes, sir. Okay, thank you very much. Thank you very much. And I wish you to become a nurse, right? Yes, sir. Okay, thank you very much. Huh? Yes, okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you. Okay. Thank you. Sure okay. Yes, it's okay. It's okay. Thank you very much. Thank you, ladies. Voilà. Cette fois, nous allons à la rencontre de celui qui est un peu à l'origine de tout ceci. C'est lui qui a fondé cette école, c'est un chef. Je vais vous raconter son histoire tout au long de cet entretien. Majesté, bonjour. C'est un... Merci beaucoup. Comment tu vas? Ah, ça va très bien, Majesté. Très bien. Je suis très, très heureux de vous rencontrer. Vous avez une jolie, très, très belle tenue. Hein? La joie est partagée. Oui, oui. Oui, vraiment, je suis très, très heureux de vous rencontrer. Alors, vous êtes celui qui a fondé cette école. Oui. Lena Lindem Nursery and Primary School, et c'est une école bilingue. Oui. Oui. Alors, d'où est née l'idée de faire cette école? L'idée est née du fait que de la souffrance des enfants de mon département d'origine de Bialem.
Quand la guerre s'est éclatée, les enfants ont passé 2-3 ans sans aller à l'école. Je suis resté ici. Les parents ont fui avec les enfants. Ils m'ont rejoint ici. Je me suis dit, mais tiens, les Camerounais sans l'école, les enfants sans l'école, c'est les enfants sans avenir. C'est pour ça que moi, j'ai dit non. Mon usine à café, ce premier bâtiment, c'était l'usine à café. Ah oui. J'ai sacrifié ça, j'ai divisé, découpé pour faire des salles de classe. Et l'école a commencé dedans. Au fur et à mesure, les enfants ne faisaient que venir. C'est pour ça que je me suis endetté pour construire ce nouveau bâtiment que vous voyez là. Et je peux vous dire que ça a été très difficile parce que les premiers arrivés ici, ils sont venus sans rien, sans moyens. Mon problème était de caser les parents et de trouver quelque chose pour caser les enfants. Donc ça veut dire que vous avez accueilli à la fois les enfants et leurs parents qui étaient tous des déplacés la crise anglophone. Et ils sont arrivés sans moyens. Il fallait trouver d'abord au premier moment de quoi manger, là où dormir, et puis l'école. Et j'ai dit au premier moment, beaucoup de parents, comme c'était des déplacés internes, ils n'avaient pas de moyens pour payer la scolarité. Ici, à l'origine, c'est votre usine de café. De café. Et dès que la crise anglophone éclate, vous décidez de fermer l'usine à café et de transformer en salle de classe pour accueillir les enfants. Alors aujourd'hui, vous avez un effectif d'à peu près combien d'enfants? Et l'année passée, dès les premières années, on était à 550 enfants. Bon, et l'année passée, il y a eu un peu la reprise dans les départements voisins comme à Bangem. Et beaucoup de parents se sont retirés avec les enfants. Nous restons à 450 l'effectif de l'école actuelle. 450 enfants. Donc je rappelle quand même, hein, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes ici à Melon. À Melon. À Melon, et donc vous avez établi cette école dans ce qui est quand même votre royaume. On en parlera tout à l'heure quand j'espère m'inviter dans votre... Alors, j'ai discuté tout à l'heure avec des enfants et il apparaît que ces enfants ont subi un véritable traumatisme. C'est vrai, c'est vrai. Je vous ai dit que ça m'a fait pitié. Oui. Si je me suis endetté aujourd'hui, là où je suis là, je suis endetté, c'est parce que j'ai vu la souffrance de ces enfants. D'autres sont arrivés ici, j'ai dit ni sac, rien, ni des habits. Oui. J'étais obligé d'aller acheter la friperie pour les habiller d'abord, parce qu'ils étaient traumatisés. D'autres étaient malades, j'étais obligé de les amener dans les dispensaires, les soigner comme ça, pour les ramener un peu là. Parce que ce qu'ils m'ont rencontré, ce qu'ils ont subi au village, c'était inacceptable. Alors, il y a certains enfants qui aujourd'hui ont carrément la peur du policier. Un enseignant m'a expliqué qu'aujourd'hui, quand il voit un homme en tenue, policier ou gendarme, c'est carrément la débandade totale. Et vous savez, les enfants, et depuis le village, ils ont vu ce que les hommes en tenue faisaient à leurs parents, à eux-mêmes. Quand ils arrivent ici, quand ils voient un policier venir, ils confondent, ils croient que c'est encore toujours le même groupe qu'ils ont rencontré au village. Ils ont peur. Si un policier entre dans cette école aujourd'hui, tu vas voir tous les enfants entrer en brousse. Ah oui. Oui. C'est un peu ça. Alors, on va continuer notre échange pour parler de vous-même tout à l'heure, Majesté. Entretenir une école comme celle-ci avec près de 450 enfants, dont beaucoup sont démunis, sans leurs parents. Pardon de vous demander ça, où est-ce que vous prenez les moyens pour pouvoir faire fonctionner l'école, avec également des enseignants dont certains sont des déplacés eux aussi? Je peux dire que parfois, quand on veut faire du bien, on veut poser des actions humanitaires, il y a des fois le Seigneur qui vous encadre. Parce que je ne peux pas vous dire combien les amis j'ai reçus, comme WEF Cameroun, Madame Sylvie et son groupe, et beaucoup d'autres amis, que de temps en temps, ils viennent m'aider avec les cahiers, les bics, les crayons, ainsi de suite. Beaucoup des amis m'ont soutenu, beaucoup. Et puis, je ne sais d'où me vient la force. Je fais des choses, je me demande, est-ce que c'est moi? Je ne me retrouve pas. Parce que si vous voyez, ce bâtiment-là, ça m'a coûté 35 millions de francs. C'est une dette que j'ai prise à la banque. Bon, là, je me tords, je me prie en quatre pour rembourser. Je pense que avec la bénédiction du Seigneur, on va arriver.
Bah, écoutez, Majesté, si vous n'y voyez aucun inconvénient, j'aimerais visiter votre chefferie cette fois. Ça me fait la joie. Oui. Parce que on va y aller. Alors, ce qui se passe quand même ici est assez extraordinaire parce que vous-même, vous n'êtes pas originaire de Melon ici. Oui. Vous êtes établi ici. Oui. Oui. Depuis les années. Depuis 1982. Oui. Ça me fait 39 ans que je suis arrivé ici. Mmh. Alors, ce qui m'amène ici dans le Mungo, c'était mon service. Je suis un ancien gendarme. Oui. C'est la gendarmerie qui m'affecte. Gendarme routier. Gendarme routier. Oui. Bon, c'est la gendarmerie qui m'affecte à la brigade routière de Nkonsamba. Mmh. Et vous savez, la brigade routière de Nkonsamba couvre tout l'étendue du département de Mungo. Mmh. Donc, ça veut dire que de temps en temps, on venait faire le travail à Melon, on allait à Manjo, Mloum, ainsi de suite. Mmh. Alors, c'est pendant mes balades ici que j'ai découvert cette parcelle de terrain qui était abandonnée parce que dans le temps, le café ne se vendait pas. Mmh. C'était abandonné dans les herbes. Alors, parfois à midi, nous on allait à Petit Camp pour manger le soya, qui était un centre, un petit centre commercial. Mm-hmm. Et chaque midi, il y avait l'embouteillage à Petit Camp. Ouais. Je me suis dit dans la tête que ben, si quelqu'un crée quelque chose de semblable, ici là, il y a bien le terrain. Est-ce que ceux qui évitent cet embouteillage là ne viendront pas ici? C'est ça qui m'a venu en idée. Mm-hmm. J'ai commencé donc à négocier le terrain. Mm-hmm. J'ai eu le terrain. J'ai commencé par le marché. Oui. J'ai créé le petit marché. Mm-hmm. Et les gens ont commencé à venir. Et c'est comme ça que c'est parti. Oui. 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 En tout cas, on va en rediscuter à l'intérieur. Merci. Je vous laisse passer en avant. Merci. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hotel located outside, better than what you imagine. Monsieur Taï, vous pouvez vous asseoir là. Merci beaucoup, merci beaucoup, Majesté. Merci. Ah, c'est magnifique ici chez vous. Nous sommes au palais. C'est oui. Et j'ai l'honneur de m'asseoir sur. Une chaise royale, j'espère que vous me le permettez. Eh non, je vous le permets. Parce que moi, vous savez, vous êtes à mission. Mm-hmm. Et quand on est à mission, on devient comme le Njunju. Oui. Il n'y a rien qui peut vous être interdit oui, ici. Oui. Parce que moi, je viens quand même d'une région où, dans la cour royale, on ne s'assoit pas sur n'importe quelle chaise. Hein, sauf vrai. Si on a été autorisé à le faire. Ah oui, oui, oui. C'est vrai. Oui. Même voilà. Ici, c'est la même chose. Mais voilà. Je vous dis que vous êtes à mission. Quand on est à mission... Pour le Njunju, voilà. Tant que journaliste, vous n'êtes plus en tout cas, je me sens protégé. Voilà. Alors, nous sommes ici à l'Enalendem Palace. Yes. Oui, oui. Alors, c'est carrément une chefferie que vous êtes venu construire ici à Melon. Melon, oui. Oui. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure, quand on discutait, vous vous êtes installé ici au début des années 80.
82, voilà. Oui. Donc, et là, vous étiez gendarme routier. Oui. Et donc, vous arrivez, vous trouvez un bout de terre abandonné, vous décidez de l'acheter. Oui. C'était quoi l'objectif au départ? L'objectif au départ, je vous ai dit que j'ai eu l'inspiration à partir du marché d'un quinquem. Alors, quand on allait en quinquem, le midi, pour manger un peu de soya après le travail, on trouvait un embouteillage monstre là-bas. Alors, je me suis dit, mais comment? Cet embouteillage-là, si quelqu'un crée quelque chose non loin d'ici, qui est semblable, mais ça, ceux qui évitent l'embouteillage-là peuvent venir là. C'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et j'ai donc commencé à négocier cette parcelle de terrain qui ne servait à rien dans le temps. Les gens m'ont vendu, jusqu'à j'ai vu que c'était déjà important. J'ai décidé de créer le marché et je l'ai fait. Et c'est comme ça que... On va visiter le marché tout à l'heure. Voilà, c'est comme ça que les gens ont commencé à venir. Si vous trouvez n'importe quelle maison dans ce carrefour, c'est après le marché là qu'ils sont venus. C'était un champ abandonné de deux côtés de la route. Alors, l'énalendem, c'est quoi? L'énalendem, chez moi, veut dire la plante de Dieu. Parce que la plante de Dieu, pourquoi? Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé de venir crier ce que vous voyez aujourd'hui. Je ne sais pas. Dans le temps, je ne sais pas ce que je faisais. Tous mes amis venaient là. Si vous entendez le nom Carrefour la forêt, c'est parce que toutes mes relations, tous mes amis me condamnaient. Ils disaient, tu fais quoi en forêt? Tu fais quoi en forêt? Alors, avec la vengeance, j'ai mis le nom Carrefour la forêt. Et c'est parti. Alors, à un moment donné, je me suis dit, non, ça c'est le service du Seigneur. Parce que je ne sais pas ce qui m'a encouragé. Tout le monde me décourage. Même ma femme dit zéro. Tu fais quoi? Et je fais que foncer. Aujourd'hui, tout le monde me donne raison. Oui. Voilà. Oui. Alors, vous avez établi votre royaume ici. Oui. Alors, je n'arrive pas à comprendre. Comment peut-on avoir... Vous êtes originaire de Lébialem. Lébialem, oui. Et vous venez créer une chefferie ici, en plein Mungo, à Melon. Je ne comprends pas. Bon, ça ne doit pas vous surprendre. Oui. Nous sommes tous les immigrants. Chacun est venu de quelque part. Oui. Alors, quand quelqu'un arrive quelque part, il sent un peu la fraîcheur, il peut faire ce qu'il veut. Et ce qui m'a motivé de créer cette chefferie, c'est à cause de ce carrefour. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, si je prends ma retraite pour aller au village, tout ce que j'ai fait ici, là, ça va tomber. Il fallait donc faire quelque chose pour me retenir. Parce que j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de chefs qui me rendent visite. Je n'ai pas voulu, quand ils arrivent ici, ils me trouvent assis sur un banc ou sur un truc qui ne me ressemble pas. C'est pour ça que j'ai forcé à créer cette chefferie annexe, sans savoir que les problèmes devaient aller surgir chez moi pour détruire tout. Alors, c'est un peu comme je vous dis que c'est le travail du Seigneur. C'est un message que Dieu m'avait donné bien longtemps. Les gens ne voyaient pas. Moi-même, je ne connaissais pas. C'est aujourd'hui que je me rends compte qu'il m'avait préparé pour quelque chose. Est-ce que vous êtes, vous avez une origine royale? Moi, je suis un chef. Je parle de Lébialem, je suis un chef. Ce n'est pas ici que je me fais chef. Donc, quand vous étiez dans le Lébialem, Je suis chef. Oui, je suis chef. J'ai hérité mon père en 1972. Oui. J'avais 3 ans de service. Alors, et quand un chef de Lébialem quitte son territoire pour venir s'établir ici, on a dû vous accuser. Ça n'a pas dû être apprécié chez vous. J'ai eu chaud. Oui. Des deux côtés. Mes frères ne me pardonnaient pas le fait que je viens installer ce chefferie ici. Et puis, les autochtones ici ne me pardonnaient pas. Ils croyaient que j'étais un envahisseur. Oui. Or, moi, pour moi, j'ai cherché juste là où je peux vivre aisément et bien et être content. Mais les gens ont trouvé que peut-être je venais arracher le pouvoir, les gens et tout ça. Or, ce n'est pas mon ambition. Et mes frères également me condamnaient que non, ce que tu fais là-bas, là, ce n'est pas normal, il fallait venir faire ça au village et tout ça. Bon, j'ai dit que dans tout ça, c'est le Seigneur qui savait ce qu'il faisait parce que même mes frères qui me combattaient, même ceux qui me combattaient ici, aujourd'hui, ils me donnent raison parce que ce que je fais ici, vous voyez le carrefour là, ce que ça fait à la population de Melong, de Mungo et tout le Cameroun entier. Tous les touristes qui arrivent au Cameroun, aller à Bamenda, aller à Fumba, tout ça, ils mangent ici en route. Alors ça, c'est un marché presque, je peux dire, international, d'une renommée internationale. Alors, et 40 ans plus tard,
c'est carrément l'ironie du sort, hein, c'est-à-dire que dans votre village, on vous a combattu quand vous êtes déporté ici pour créer cette chefferie. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, vous accueillez des déplacés de guerre ici. Voilà. J'ai rencontré quelques chefs du sud-ouest ici dans votre chefferie. Tous les jours, ils sont là. Ceux qui ont été chassés de leur village, oui, par là. Les ambassadeurs. Ceux qui ne voulaient pas me saluer, ils ne voulaient pas me parler. Oui, aujourd'hui, c'est vous qui les accueillez. C'est moi qui les accueille. Oui. Je les encadre. C'est fou ce que le sort peut faire enfants. Des choses. Hein. Voilà. Oui. Hein, oui. Avec les enfants, oui. Et tout. Alors, ce qu'on observe ici, on va faire une visite tout à l'heure pour voir. Alors, c'est le côté artistique, il y a une vaste sculpture, vous avez énormément, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'inventaire de tous les objets d'art que vous avez ici, il y a de magnifiques sculptures, les chaises, les bref, c'est magnifique tout ça. Est-ce que vous avez déjà fait un inventaire de tout ça? Oui, j'ai signé une convention avec l'Université de Douala, oui, et l'Institut de Beaux-Arts de Nkongsamba. Et tout le temps, il y a un professeur là, Madame Rachel, mmh, qui amène toujours les enfants ici. C'est elle qui m'a aidé à faire l'inventaire de tout ce que nous avons ici. Mmh. On est arrivé à 2800 pièces. 2800. Alors, donc, et c'est pour ça que vous voyez que je suis en train de monter ce musée. Oui, vous êtes en train de construire caser, un musée, voilà, qui est juste là. Parce, oui, que tout est paqué encore dans le magasin et, mmh, tout ça. Je fais le musée là pour que si un jour on réussit à terminer, on installe avec, mmh, le concours de techniciens comme vous, mmh, pour que le visiteur vienne maintenant, le, oui, touriste, pour visiter. Mmh. Alors, mmh, et pour la construction de ce musée-là, est-ce que vous avez bénéficié d'un soutien financier de l'État, des individus, d'un organisme? Comment est-ce que vous financez la construction de ce musée? Oh, pas du tout. Je n'ai pas bénéficié des aides. Je suis à la recherche, mais ça ne vient pas. Mm. C'est comme tout l'école que vous avez visitée. Je me bats tout seul. Oui. Rien qu'avec la force de Dieu. Il n'y a pas encore eu les aides d'un organisme ou de machin et tout ça. Bon, mm, je suis à la recherche. Oui. Et si les gens de bonne volonté peuvent nous aider à faire quelque chose pour le peuple, parce que tout ce que j'ai fait là, ce n'est pas pour moi. Mmh. Je suis à 77 ans, bientôt je vais partir. À 77 ans? À 17 ans d'âge. Ah, vous ne les faites pas, hein? Ah, voilà, bon. Vous êtes encore solide. Ça fait, mmh, 19 ans que je suis en retraite. Oui. Et je suis là, je me bats comme ça pour, mmh, faire plaisir au peuple, pas tout à moi, parce que mon temps est passé. Oui. Mmh. Donc, Majesté, tout à l'heure, on va visiter, oui, votre chefferie. On fait un peu de vous tout. Allez me faire visiter. Ouais, ouais. Et ensuite, on va aller là où tout a commencé, voilà, au centre commercial. Au centre commercial. Je crois que c'est Lena Lendem Market. Market. Oui. Alors, le très grand centre commercial qui a été un peu le déclenchement de tout, tout ce ceci. Que vous voyez aujourd'hui. Voilà. Oui, oui. Alors, est-ce que votre territoire ici, il est sur quelle superficie? Bon. Je suis sur 10 hectares, oui, mais avec l'arrivée les déplacés, il y a les gens qui aussi s'enfoncent là, ils, mmh, paient le terrain, ça ne fait que grandir tout, oui, le jour. Ah, oui. Ça ne fait que grandir tout le jour. Mmh. Mmh. Bon. Dernière chose avant que nous ne fassions la visite, Majesté, quels, mmh, sont vos rapports avec les autochtones d'ici? Vous avez expliqué qu'au début c'était difficile. Est-ce que, mmh, vos rapports se sont apaisés? Au départ, c'était difficile, mais entre-temps, quand ils ont vu le bienfait de mon arrivée, mmh, bon, maintenant, il n'y a aucun problème. Oui. On est en paix. Ah, c'est tant mieux. Et voilà. Un modèle de vivre ensemble. Ah oui, oui. Loin des discours politiques, ça, c'est le concret. C'est vrai. Voilà. Je vous laisse passer. C'est mon salon privé. Ah, ah, c'est magnifique. Oui. Waouh. Wow. Mon salon privé, c'est ici que je reçois, mmh, d'autres chefs supérieurs. Oui, oui. Qui me visite parce que je reçois beaucoup ici, comme je suis placé sur la route nationale. Mm-hmm. Et ceux qui vont à Douala et ceux qui rentrent au village, ils s'arrêtent toujours. Ils s'arrêtent ici. Pour, oui, un escale, pour une pause. Oui. Alors, ah, c'est joli le trône là. Oui, c'est quoi? C'est la peau de panthère. Mon trône, c'est la peau de panthère. Oui. C'est mon trône à moi-même. Mm-hmm. Mmh. Les autres s'installent là quand ils arrivent. Ouais. Partout où ils veulent, parce, mm-hmm, que tout ça, c'est le trône. Oui, oui. Alors, ce sac-là,
Oui, ça c'est une sape traditionnelle. Oui, oui. Quand je voyage pour une cérémonie, il y a l'un de mes notables qui porte ça. Oui. Et on arrive là où on veut manger, on veut boire et tout ça. Quand je lui donne sa part pour ses amis, il met là-dedans. Oui. C'est au retour qu'il va dans le milieu, il sort ça et dit, bon, on était au voyage. Voilà ce que j'ai ramené et c'est partage. Oui. Ouais. Ah oui, ça c'est vraiment beau ça. Oui. Oui. Alors... Voilà, ça c'est les carbasses pour le vin de raffia. Oui. Quand on est au village, c'est là-dedans qu'on met le vin en bois. Oui. Ça c'est la photo de mon père, mon feu père. Ah oui. Qui est mort en 1972. Il a fait 120 ans, 120 ans. Wow. Oui. Et ma mère, 95. Oui. Et c'est la maman qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui parce qu'elle a été beaucoup pour ma réussite. Quoi. Le père, moi, j'étais encore un peu jeune, naïf. C'est la maman qui est restée me travailler. Alors, c'est extraordinaire ici chez vous. Il y a les seules choses modernes que je vois ici, c'est la télé et puis l'imprimante. Cette marmite-là. Ça, c'est une marmite. Oui, c'est pour garder. C'est un champ précieux traditionnel pour la chefferie. Oui. Waouh! Voilà. Ah, c'est impressionnant ce que vous pouvez avoir comme objet ici. Merci. Donc, votre musée est vraiment le bienvenu. Hein. C'est riche quand même. Voilà, c'est toujours le trône là. Tout ça, c'est pour le chef traditionnel. Oui. Ah, c'est quand magnifique. Ils arrivent, les notables sont dehors, les serviteurs, ils sont aussi dedans, très à l'aise. Oui. Ça, c'est beau. Ben, on va voir à l'extérieur. Oui, voilà, il y a également beaucoup d'objets. Oui, oui. Je vais vous laisser passer devant. Ah, c'est magnifique. Hein. Merci. Alors, Majesté, tout à l'heure, quand on discutait hier, vous m'avez dit que vous avez des organismes. Il y a un organisme qui vous appuie un peu ici. Oui, je ne peux pas manquer. C'est une opportunité pour moi de féliciter Mme Sylvine Dongmo, que vraiment, depuis qu'elle m'a découvert, elle a découvert l'école, les enfants, elle est régulièrement ici, constamment là, pour m'encourager, encourager les enseignants et les, même les déplacés internes. Oui, oui. Elle a eu même à venir distribuer un peu de nourriture aux enfants deux, trois fois. Et vraiment, ça me va droit au cœur. Elle fait beaucoup pour moi. Elle prêche aux enfants les bienfaits de la paix, l'utilité de la paix et tout ça. Vraiment, je leur dis grandement merci. Alors, donc on continue la visite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est l'énalendem. L'énalendem, la plante de Dieu, oui, comme je vous ai dit. Oui. Et ici, cette statue-là. Ah, ça bouge. Waouh. Ça fait toute l'histoire de ma chefferie ici. Oui, oui. Ah ouais. Ah. Vous voyez? Waouh. C'est comme ça que je suis parti de Rebellem, avec le peu que je pouvais porter dans le temps. On est arrivé ici. Oui. Comme je vous ai dit, on a trouvé les serpents, les antilopes, les chimpanzés qui vivaient ici. Oui. Alors, on a abattu la forêt, on a créé cette petite communauté et les gens sont venus, le peuple sont venus pour s'installer. Et c'est comme ça que ça a décollé. Ah, c'est magnifique. C'est-à-dire que cette sculpture résume un peu l'histoire de ce palais et votre propre histoire. Vous. Voilà. Ouais. Voilà. Ah, c'est beau. Et ici, chez nous, on appelle ça trop. Oui. Ça fait le tribunal du village. Ça, c'est le procureur général et ça, c'est le président de la cour. Oui. Alors, quand un notable commet une erreur, ou bien le chef lui-même, c'est là où on vous amène, c'est les gens aussi qui vous jugent. Si c'est un citoyen qui a fait des bêtises, qui ne peut plus vivre avec les gens, on peut le chasser le village, il va s'installer ailleurs, comme les gens qui volaient dans le temps, tuer les gens, les sorciers et tout on le chasse. Alors, là, à l'intérieur, c'est la tête de poisson que mes enfants m'ont amené ça de très loin. Ah oui, c'est impressionnant. Comme ils savent que chez nous, dans notre tradition, tout ce qui est effrayant, tout ce qui est mystique, tout ce qui est grand, on va mettre à la chefferie. C'est ça que mes enfants ont apporté ça pour qu'on décore la chefferie avec. Donc, vous parlez de cet objet-là au milieu.
Oui, 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 oui. 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 D'accord. C'est, donc c'est une espèce, c'est un peu le squelette d'un poisson. Oui, oui, oui. Ah, oui. Il était poisson, énorme, la tête, hein. Ouais, la oui. mâchoire supérieure du poisson. Ouais. Oui. Les deux côtés là, c'est l'inférieur ici là. Oui, oui. Mm-hmm. Il y a les côtes de la colonne vertébrale dedans, et les côtes également. Ouais. Bon, ici, c'est une marmite pour conserver l'huile de Parme. Ah. Actuellement, donc il y a de l'huile de Parme là-dedans. 15 tines dedans. 15 tines. Il y a 15 tines là-dedans. Ça reste là, vous voyez la louche en haut qui est posée là. Oui, c'est pour enlever l'huile pour partager. Quand il y a une grande cérémonie à la chefferie, toutes les femmes de la chefferie, même les femmes des voisins et tout ça, ils viennent, on les sert de l'huile pour aller préparer la fête. On les sert de l'huile pour aller préparer la fête. Et c'est ça, même les deux autres là, c'est toujours pour l'huile de Parme. Ah, d'accord. Voilà. Mmh. Et ici dedans, c'est le magasin des objets d'art. Ah, comme on est en train de construire le musée, c'est quand on aura fini qu'on va enlever tout ce qui est dedans pour aller installer au musée. Comme je vous ai dit, nous avons 2800 objets d'art. Il y a au moins 500 ici dedans. On a 4 magasins. Oui. Voilà, c'est un peu ça. Oui. Voilà, on continue. Ok. Ah, c'est... on y passerait toute une journée, hein, qu'on ne se fatiguerait pas. Ça arrive. Voilà, les masques sont installés ici. Ah oui, il y en a partout. Ah ouais, ouais. Partout. Bon, c'est le musée en construction que je vous parlais là. Oui, oui, il est là. Oui, oui, on est en train de se débrouiller pour monter ça. Oui. Vu du ciel, il y a une belle architecture de ce musée. Hein. Ah oui, c'est les élèves de l'université de Douala qui ont fait le plan. Ah d'accord, ça c'est bien. Le concours des professeurs. Attention, majesté. C'est fait. On est en plein chantier. Et ici, c'est la tribune. Ah, la tribune. Pour le chef supérieur, quand il y a une cérémonie ici, c'est ici que je reçois le chef supérieur. Ah, d'accord. Eh oui. Et la population peut s'installer maintenant tout autour de la cour. Alors, vous avez beaucoup de chaises royales, hein. Ça veut dire que vous pouvez accueillir beaucoup de chefs ici et chacun s'assoit sur une chaise. Oui. Oui. Souvent, ma chaise est au milieu ici. Oui, oui. Les amis m'entourent, le coach est à droite. Voilà. Ouais. Ici, là. Ça, c'est un lieu pour une société secrète de la chefferie. Vous savez, société la chefferie secrète. A beaucoup de sociétés secrètes. Alors, il y a une société, quand il y a une cérémonie ici, ils sont là-dedans. C'est là où ils font leur fête, ils dansent là, ils mangent et boivent là-dedans. Ici? Oui, oui. À l'intérieur là. Oui, oui. Quand vous êtes dehors, vous sentez seulement le bruit, vous ne connaissez pas ce qu'ils font là-dedans. Ça, c'est le lieu. Alors, chez moi, on appelle les arbres aussi fécants. Oui, ça, c'est l'arbre de la paix. L'arbre de la paix. Oui. Partout, gratuit. C'est ce que ça signifie. Je crois que non seulement dans les gracies, partout, c'est connu dans le monde, je crois. Tout à fait. Hello. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ici... Je vous ai dit, j'étais gendarme. Voilà ma carrière de gendarmerie de 1970 à 2003. Alors, quand je suis rentré de service, j'ai enlevé la tenue, j'ai pris mon trône. Oui. Que voici. Et cette haute statue représente ce marché. Parce que le jour où le préfet est venu pour inaugurer le marché, c'est comme ça que j'étais habillé. Alors chaque statue a son histoire. Je veux que quand les enfants grandissent, on les explique de quoi ça représente. Tout à fait. Voilà. Donc... Ok. Bon. Alors voilà. Je vois des gens là. Les bâtiments des déplacés. Ah, ça c'est les bâtiments des déplacés. Les déplacés, ils sont tous là-dedans. C'était mes magasins dans le temps, mais comme ils sont arrivés, j'étais obligé d'arrêter tout ce que je faisais. Pour les accueillir. Pour les accueillir. Voilà. Pour les caser dedans. Bon. Ah, ça, c'est magnifique. On va de l'autre côté. Ici, c'est une petite école pour les musulmans.
Ah, pour les musulmans. L'école coranique. Mm-hmm. Oui. Les enfants aussi viennent apprendre là-bas, comme ils ne peuvent pas vivre sans ça. Oui. Voilà. Oui. Souvent, la SNEC coule ici. Oui. Il faut en faire 3 mois, 4 mois sans l'eau. Mmh. Ce n'est plus la SNEC, hein, Majesté, c'est maintenant Kamwata. Kamwata, ah bon? Oui. Non, on est habitué. Et hein? Ce n'est plus la SONEL, c'est maintenant Eneo. Oui. Comme les enfants sont venus, nous, quand on était encore entre nous, on pouvait aller puiser l'eau en quelqu'un partout. Mais quand le monde est venu, j'étais obligé de faire ce puits d'eau. Ah, ce forage ici. Un forage, vous avez construit un forage là. Voilà. Oui. Il pompe là. Oui, oui. Tout le village vient boire l'eau là-dedans. Ah, d'accord. Donc, pour permettre aux populations d'avoir une eau potable, vous avez construit ce forage. J'ai construit ce forage là pour tout le monde. Oui. Bon forage. Ok. C'est bon. Oui. Majesté, on va continuer. Et là. C'est la mosquée. Oui. Vous avez vu le clé? Ok, oh, ça c'est va. Pas grave, oui. Bon, je disais que quand le monde m'a retrouvé ici, vous savez, au nord-ouest, tout ça, il y avait beaucoup de musulmans. Mm-hmm. Quand ils m'ont retrouvé ici, j'ai vu partout, là, ils mettaient les nattes en bordure de route, tout ça. J'ai dit, mais l'accident, la voiture va cogner quelqu'un. Oui. J'ai conçu cette mosquée-là pour qu'ils viennent prier là-dedans. Même les Alaji qui voyagent de l'ouest à Douala, de Douala à l'ouest, Fumban. Quand ils font une pause ici, ils prient là. Ils viennent faire prier, la prière ici. C'est vraiment. Voilà. C'était un modèle jour, de. J'ai vu Dampolo venir prier ici. Ah, Dampolo lui-même. Oui, lui-même. Il a garé là, il est descendu prier ici. J'ai reçu l'ambassadeur de Tchad qui est venu prier ici. Ouais. Donc, vous voyez que ce que ça peut faire. Quand on fait quelque chose, on ne connaît pas l'ampleur. C'est magnifique. Mm-hmm. C'est un. Voilà c'est un... notre imam. Ah, c'est voilà. L'imam là. Voilà. Oui. C'est notre bonjour. Imam. Mm-hmm. C'est l'imam là-bas. Oui, oui. Ah, c'est vraiment un modèle de vivre ensemble ici chez vous. Oui, hein. Ah, il y a oui. D'abord votre école accueille des anglophones et des francophones. Oui. Et les deux systèmes éducatifs sont combinés parce que c'est une école bilingue. Oui. Vous accueillez ici tous les réfugiés de la crise anglophone et enfin les déplacés. Réfugiés, c'est un peu fort. Voilà. Et voilà une mosquée. La et maison de Manjong. La maison de Manjong. Oui, l'armée du palais. L'armée du palais, ah ouais. D'accord. Alors chaque samedi, ils viennent danser là, ils mangent, ils boivent, ils se racontent les histoires de la semaine et tout ça. Ouais. Ah bon, s'il y a un problème, ils viennent me rendre compte au palais. Ouais, magnifique. Oh, ça. Voilà mon hôtel que j'ai fermé pour caser les déplacés. Ah là, c'était un hôtel. C'était un hôtel. Oui. C'était une auberge. Oui, oui. Et quand j'ai vu les gens venir, j'ai dit, mais tiens, je ne peux pas les sacrifier pour la jeune. Oh j'étais là obligé là. De fermer oui. Pour les caser là-dedans. Mm-hmm. Vous voyez comment les habits sont séchés, permettent. Oui, oui. Oui. C'est comme ça que nous on vit ici. Là, ici, c'était votre hôtel. Oui. Vous accueillez des clients et tout, vous avez dû fermer pour accueillir maintenant toutes ces personnes-là qui sont des déplacés de la crise. Oui. Alors, c'est quoi votre sentiment par rapport à cette crise, Majesté, qui dure quand même, c'est depuis 2016 que la phase actuelle a commencé. Mon cher Taïn, c'est un malheur qui nous est arrivé. Ouais. Et ça me fait mal, j'ai une blessure au cœur. Parce que vous voyez, ça m'a réduit à néant aujourd'hui. Ouais. Vous voyez mon auberge que je ferme l'usine, je ferme tout pour accueillir. De déplacer interne. Ça me fait mal au cœur. Mmh. Je souffre. Oui. Donc, moi, c'est pour ça que je suis toujours en train de prier que les acteurs de cette crise-là, des deux côtés, que le Dieu touche leur cœur, qu'ils se retrouvent pour trouver une solution à cette crise. Sinon, le Cameroun est en train d'aller du mal en pire. Oui. Ouais. Quand cette affaire-là a commencé, on va continuer, Majesté. Quand cette affaire-là a commencé, il y a maintenant 6 ans, est-ce que vous pouviez imaginer que 6 ans plus tard, on en serait encore là?
Au départ, les gens ont cru que c'était l'amusement. Mmh. Bon, ça s'aggrave, ça va de mal en pire. Mmh. Moi, je dis que vraiment, c'est un malheur. Oui. Parce qu'au fur et à mesure, ça dure, ça sera encore plus compliqué. Oui. Il faudrait rapidement trouver une solution à ça. Sinon, à un moment donné, on sera débordé, oui, et ça sera très grave. Mmh. Ce sera la catastrophe. Oui. Alors, quelles sont les nouvelles qui vous parviennent quand même des zones en crise? C'est des mauvaises nouvelles. Oui. Parce que tous les jours, les enfants, ils changent les méthodes. Aujourd'hui, c'est avec les bombes, c'est avec les armes sophistiquées qu'on ne sait pas d'où les viennent ces armes-là. Mmh. Les bombes, on ne sait pas comment ils ont réussi à commencer à fabriquer les bombes. Oui. Bon, moi, je crois que vraiment, il n'y a aucune bonne nouvelle qui vient de ce côté-là. Mmh. Tout est toujours malheureux. Oui. À votre avis, comment on peut sortir de cette crise définitivement maintenant? Est-ce qu'une sortie de crise, à votre avis, est possible? Et sinon, comment? C'est très possible. Il n'y a aucun problème qu'on ne peut pas régler dans le monde. Ouais. C'est possible. Il suffit seulement que les deux parties se retrouvent, que chacun, on parle les yeux dans les yeux, pour que les gens disent la vérité. On ne peut pas sortir d'une crise par les mensonges. Oui. Que chacun dise ce qui le gêne. Mmh. Et puis on trouve comment on peut régler. Même si on n'a pas de moyens pour régler, on donne des promesses aux gens. Et puis on reprend la vie à zéro. Les promesses sincères. Les promesses sincères. Oui. Et puis on reprend la vie à zéro. Mmh. Ah, bon. On va aller maintenant au centre commercial. Ça, c'est le talking drum. Talking drum? Oui. What means that? On appelle ça le talking drum chez nous. Mm. C'est notre téléphone mobile, ça. Oui. Avant, c'est avec ça qu'on envoyait les messages, soit pour appeler la population, soit pour annoncer un malheur ou un bonheur. Mm. C'est avec ça. Le tam-tam d'appel. Oui, oui. Le tam-tam d'appel. Il y a les initiés pour ça. Oui. Oui. Alors, Majesté, voici dans le centre commercial. C'est ici que tout a commencé. Oui. C'est le centre commercial que nous avons créé. Mm-hmm. C'est ça qui a amené tout ce que vous avez vu là. Oui. Donc, toute cette zone-ci, c'est votre territoire. Oui, 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 oui. Le Nalendem Market. Voilà. Oui. Donc, c'est ce centre qui m'a encouragé à annexer ma chefferie là. Oui, oui. Et c'est toujours le même centre qui a attiré les gens de chez moi, parce que si j'étais isolé quelque part, ils ne pouvaient pas savoir où me trouver. Oui. C'est ce centre. Parce qu'au temps normal, eux, ils passaient ici pour aller à Kumba, aller à Limbe et tout ça. Oui. Quand la guerre a commencé, ils ont dit, mais tiens, notre papa est quelque part. Oui. C'est ça qui les attire pour arriver. Ah, c'était un vaste centre commercial. Oui, c'est un vaste centre commercial. Vous voyez, tout se vend ici. L'huile de palme. Oui, beaucoup d'huile de palme. Beaucoup d'huile de palme. Oui. Les ananas, les plantains et autres. Les boboros, chacun fait ce qu'il veut pour venir vendre ici. Ouais. Et la viande est particulièrement bonne ici. Oui, ils sont les spécialistes. Oui. C'est les gars qui étaient dans d'autres marchés, comme tout à Kekeme, partout là. Oui. Mais que j'ai ouvert le gros centre, ils se sont déportés. Oui. Alors ici, c'est devenu, et je comprends votre histoire, c'est-à-dire qu'ici est devenu pratiquement le stop obligatoire. Stop pour obligatoire. Manger, se reposer. Oui. Et à l'époque. Se mettre à l'aise et tout. Voilà. Voilà. À l'époque, c'était à Kekeme. C'était à Kekeme. Vous avez détourné un peu les clients de Kekeme pour amener pour ici. Pour amener ici, parce que ici était un peu plus grand. Ici, c'est un peu plus grand, un peu plus propre. Oui. Donc les gens ont préféré, bon, faire les escales ici. Oui. Voilà. Voilà. Ah oui, un grand centre commercial. Oui. Bon, on va s'installer quelque part. Bon, on s'installe quelque part ici. Je commence à avoir un peu faim. Donc, c'est normal. On va profiter On a beaucoup tourné. Oui, oui, oui. Alors, est-ce que vous avez, Majesté, une idée du nombre de personnes qui passent par ici par jour? Monsieur Taï, nous avons fait le... Je vais être curieux, nous recevons 10 000 personnes tous les 24 ici.
10 000 visiteurs dans ce centre commercial. Oui. Et le week-end, à partir du jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça double. Oui. Ça fait 20 000. Alors, nous, on s'est dit que si chacun ne dépense que 1 000 francs, oui, ça fait 10 millions le jour ordinaire, le week-end, 20 millions qui se partagent dans les poches de, oui, tous ceux qui se débrouillent ici au marché, les vendeurs d'arachide, les vendeurs d'ananas, les vendeurs de soya et autres. Ah, il y avait un véritable calcul commercial, oui, derrière, mais vous n'avez pas fait ça au hasard. Non. Oui. Et alors, oui, donc, je vous offre un peu de soya là. Oui, merci beaucoup, avec le piment. Oui. Alors, donc, près de 10 000 personnes les jours ordinaires et à partir de vendredi, samedi, c'est, ça double. Ça double, ça fait 20 000. Mmh. Alors, et le nombre de commerçants ici? Le nombre de commerçants, c'est beaucoup. Ils sont à plus de 500. Ouais. Parce qu'il y a les ambulants qui arrivent, et d'autres ne viennent que dans la nuit. Les vendeurs de pistaches, les bobolos, tout ça, on ne peut pas les maîtriser. Parce que c'est les gens qui faufilent comme ça. Les gens qui quinquent Sancho mangent un consomme pour venir faire le marché ici le week-end, surtout dans la nuit. Parce qu'on a vraiment l'affluence ici le week-end. Oui. Alors, et cette affluence-là, pardon, le piment là un peu. Bon. Là, c'est la route qui relie l'ouest au littoral. Oui. Ça, c'est la route principale, oui, qui mène à Douala. Oui. Oui. Donc le trafic doit être impressionnant ici. Trop dense, il n'y a pas de route ici au Cameroun. Mais la route comme pas la terrible, route ici. Elle est quand même trop petite. Oui, elle est petite, bon, on fait avec. Oui. Les gens passent, les gens utilisent toujours. Oui. Donc. Je veux dire qu'aujourd'hui, ça me fait une fierté. Oui. Quand je sors, je vois le nombre de gens qui mangent, qui vont à l'école, qui se nourrissent à cause de l'action que j'ai posée ici. Oui. Ça me fait de la fierté. J'ai dit que j'ai réussi quelque chose dans ma vie, avec le concours de Dieu. Quand je monte là, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. Ça me fait fier. Des fois, j'oublie de manger. Oui. Le fait d'être content, de voir les gens être contents autour de moi, ça me fait la fierté. J'ai dit, j'ai réussi à quelque chose. Ah ouais, la viande est particulièrement bonne ici. Je dis que je ne manquerai pas de dire merci à Naya TV, parce que quand vous venez comme ça, vous m'encouragez et je me dis, mais je me rends compte que ce que je fais ici est connu ailleurs. Oui. Alors ça me fait d'énormes encouragements. Oui. Je dis que merci, merci, et je vous encourage à continuer à faire vos recherches. Merci beaucoup. Alors, Majesté, vraiment, c'est nous qui vous remercions, toute l'équipe de Naya TV, c'est nous qui vous remercions de nous avoir accueillis ici. Je suis personnellement très touché par votre humanisme, accueillir autant de gens simplement pour rendre service à des victimes d'une crise idiote. Vous avez accepté de les accueillir chez vous, sacrifiant même vos activités commerciales juste pour sauver l'humain. Ça, c'est quelque chose qui nous a impressionnés. C'est pour ça que nous sommes venus vous voir. Et merci infiniment pour votre hospitalité. Merci beaucoup. Et merci, merci surtout pour la viande. Merci, hein, merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'était un plaisir d'être avec vous ici à... ça, c'est l'Enalendem Market. Et nous sommes ici en plein centre-ville de Melong, sur la route qui mène à Douala, dans le département du Mungo. Merci de nous avoir regardés. Je vous souhaite du plaisir. À bientôt.